Faut pas trop de choses. C'est lui, venez. Allez, Bandou, il est. Donc, merci à la presse, merci à tous mes camarades avocats. Et ça qui est cela, hier, nous apprenons qu'Ivan est arrêté. Moi, malgré souffrant, je suis tout de suite au Flying Squad. Et Flying Squad qui fait mon tout de suite, c'est parce que mon courant qui nous déjà fait une démarche, nous déjà fait une case qui mettait précautionnaire majeur à Moka. Et ensuite, nous informons le bureau, ce qu'ils appellent le bureau de US Affairs Embassy, qui nous informait qu'il y a un état de choses qui peut dérouler. Et ce qui est très important aussi, nous conscients comment ça a déroulé. Et donc, pour nous, manier une grande côte-là, côte il gagne la drogue, par qui ça a gagné la drogue, et dans qui contexte il gagne la drogue, c'est-à-dire le 19, aujourd'hui, nous écoutons Bail, le 18, il est arrêté, le 17, fait un statement contre le Premier ministre, et dans l'empire des Pinocchio, dans l'empire Pinocchio, il est toujours difficile comment on finit fin de case. Nous, tout qu'il a, il est sujetti à toute forme de discrimination, de répression. Et donc, ce qui nous demandait, un temps nous en cours, qui nous peut demander, nous peut demander que ça, l'équipe de Flying Land n'a pas occupé sa case là. Parce qu'il nous connaît sa lien ombilical qu'il a avec le Striking Team. Nous conscients qu'il dans sa case là, pas de même une objection. Et je ne fais objection. Et sa objection là, je suis capable de servir tous les moyens, si nos camarades Prabes Nakchedi, à la demande du collectif des avocats, pour écrire une lettre à M. Rassen, pour dire qu'il n'a pas plié l'ignorance, n'a pas joué, n'a pas descendu, un dimon dit à l'enquête, il finit nous descendre la personne. Je n'ai pas tombé dans une propre piège. Et je crois avoir dit prison, et là, dans 15 jours, qu'il nous trouve une motion pour bail. Heureusement, nous avons un avocat qui nous vient vite. Nous avons, heureusement, vous avez remercié surtout camarade Anouk Goudari, qui lui monte à QEPIP tout de suite, et à QEPIP, il demande à la cour de fixer tout de suite une motion de caution. Nous connaissons tout avocat qu'il a, qui dans un case de drogue, côté un dimon clean record, quand un dimon est un fixe place of abode, quand un dimon connu comme nos camarades Bibi, d'aucun case pareil n'a pas une objection. Mais il est surprenant que dans ce cas-là, la police y mette objection. Il n'est pas faire l'honneur à la police, il montrer que la police a la seule de Pinocchio. Il montrer qu'ils peuvent faire tout pour faire un dimon perdu sur moyen. Mais soit pour capable faire un dimon, un opposant qui fait la guerre pour la vérité, pour la liberté avec conviction perdue. Donc, je remercie mon camarade Anouk Goudari. Je remercie mon camarade Anouk qui a une date aujourd'hui et nous venons aujourd'hui. Et nous aussi avons une note au DPP. Il y a pourtant connu. Hier, nous finissons à avoir une note au DPP. Et sa note qui fait une DPP, nous faisons DPP connaît qui ben a pu faire. Et donc, DPP ici, il ne peut pas faire objection pour aujourd'hui. Donc, l'autre question qu'il y a, peut-être, vous dire quand de vous mettre plus tracking à provisionnel, je pourrais remarquer qu'il nous demandait, nous pourrions pour faire n'importe qui test. Et donc, quand vous faites tout test, ce qu'il besoin faire, il est pour clair et net, qui est un dimoun, pas capable d'une cigarette, mais seulement pénal sur l'empreinte du cigarette. Un dimoun, il a trois, soi-disant, ce que je t'appelle, ban pour fumer, il finit rôle, mais dans ça, tous les trois-là, pas pour une sur ADN, pas pour une sur fingerprint, et pas pour une sur palm print. Et donc, il est clair qu'il est là, que ça peut tomber par lui-même. Donc, qui nous prenons? Nous prenons uniquement un policier pour dire nous gagner. La police nous attaque d'autres jour après jour, lorsqu'on a une case pareille, surtout quand les opposants du régime. Et tout ça, ce jour-là, je n'ai pas trop de choses, pas trop de moyens pour amener une body caméra, pour amener une caméra pour filmer ce qui ne déroulait pas, ne déroulait. Donc, voilà qui nous peut faire. Et moi, j'espère que nous pouvons gagner sans se causer. Nous parlons devant IPCC lundi ou mardi, nous mettons au courant. Nous vous donnons aussi nos statements qui nous permettent faire devant l'IPCC. Ce n'est pas parce qu'ils nous courent dans l'IPCC, hein? Parce que l'IPCC n'a pas fait grand-chose. C'est parce que la procédure demande. Même nos statements qui nous font aujourd'hui, nous faisons un statement parce qu'il est bizarre de faire un record pour qu'il nous fasse ce qu'il nous a fait. Voilà ce qu'il nous fait et nous continuons. Mais, mis à part la chronologie, au Pécos ADN, donc on peut dire que ça cannabis qui vient de retrouver, ce n'est pas pour ça. Oui, clair. Nos camarades Bibi, ils nous disent, I am innocent, ça va exhiber ça, pas pour lui. Clair. Donc voilà qui fait nos pieds à l'eau là. Et je te connais quand il s'agit d'un opposant du régime. Si je te mets beaucoup, quand je te mets beaucoup contre Bruno. Si je te mets beaucoup, quand je te mets beaucoup contre Bissessor. Mais, du moins, je vous dis bien encore une fois,
Mais ça fait dans un sens timing. Le timing, qui est le timing? Le timing, on le fait à Ben Jimoun qui peut opposer le régime, comme on dit à nous Ben Jimoun qui drogué. On peut dire nous, parce qu'il n'y a pas de cas où on attend dire que moi, j'ai un million de colis. Donc, tout possible. Donc, ça, l'année-là, pour une plus difficile. Plus difficile parce que c'est une année élection. Et une année, quand tu nous occupes pour démerder, de faire tout pour gagner l'élection. Il finit diabolomuel, après, on trouve qui peut arriver. Fané au niveau inauguration, une série d'affaires. Mais moi, je ne vais pas être là pour aujourd'hui. Je vais dire à moi qui nous vous continuer. L'équipe Ben Camarade, qui Ben Jeune, qui peut venir, je suis très content. Je vais donner un coup de main parce qu'il faut rendre l'appel au niveau pays. Il est très difficile. L'autre chose, je vais tenir à appeler les autres, qui beaucoup de Ben Camarades parmi nous, et sont d'accord avec moi pour vraiment un collectif d'avocats, indépendamment de Ben couleur politique, qui pour à la disposition de Ben Dimoun, qui est victime de l'inondation. C'est notre cas de case. Première fois, nous avons mis une série de cases contre l'État, série case contre municipalité, série case contre Ben Dimoun qui pour loger indépendamment de Sekinal. Si le gouvernement finit reconnaît une Financial Service Commission pour dire get le taux, mais comme on perd mon la case, comme on perd mon télévision, comme on perd mon frigidaire, comme on perd mon mirail, comme on perd les autres affaires, surtout les plus pauvres, Ben Dimoun, plus pauvres, mais donc il y a pas autant qui nous mettent Ben case et l'État bien payé. Et quand l'État vient payer, c'est nous qui payons, c'est le tout qui payons, et ça veut dire qu'on comprend que chaque gouvernement-là vient aller au plus vite. Mais voilà. Vous venez dans un statement, vous venez dire qu'il peut déplorer la façon, l'entrée qu'il a, qui Flying Squad, qui ne fait que tout client. Oui, nous prenons un film qui nous voulons d'autres. D'accord. Contrairement à l'Ola. Non, nous voulons, ça nous venez, il est bon par épisode. Il n'est pas épisode, vous voyez là. Pareil, comme je gagne, soit disant je gagne un record, l'autre directeur MBCTV, directeur météo, qui moi chaque content gagné pour vérifier. Mais nous aussi, nous prenons un paquet de records. Merci. Merci, merci. Camarade à nous. Merci, Rama Baladen. Vous imaginez, si je dis nous partis dans un avocat comme Rama Baladen, comme Mahen Solik, comme Pandou et les autres, Sanjeev Tilakdari, qui peut donner un coup de main pro bono dans sa qualité qui est cela, qui tu peux arriver. Capable aujourd'hui pe na Gaëtan Duval mais nous reconnaissons Rama Baladen. Nous remercier Rama Baladen pour ce dévouement envers la justice, pour aide qu'il a apporté jour et nuit malgré son emploi du temps chargé pour un activiste politique. En plus, nous remercier bureau du DPP qui fin faire prévaloir le bon sens pour qu'il tire objection dans une caisse que de valer la drogue totale qui accusation qu'il a police permettait c'est 3 400 roupies. À cause de 3 400 roupies la drogue sur acquisition, Ivan Bibin bien passe la nuit. Une personne qui clean record, not on bail. Est-ce que la police comprend qu'il n'est pas capable de servir de law of bail as a form of punishment? Un Dimoun est toujours présumé innocent tant qu'il y a la cour pas trouvé le coupable. Et entre-temps, il n'est pas capable de servir de law of bail pour punir un Dimoun pour une raison qui pour nous lit obscur, nous pas comprendre qui faire. Hier même pas capable de gagner caution dans sa qualité qui est cela. Quand un Dimoun, il y a une petite quantité de drogue, clean record, 3400 roupies, nous pas comprendre est-ce qu'il y a les autres bandes motifs derrière sa arrestation là. L'important, qu'il y ait un jeune, refaire confiance nous dans l'institution, et nous sommes contents nous dans l'institution capable de travailler avec toute indépendance et peine à ingérence politique. Mais ceci dit, nous comptons qu'Ivan Bibi, une récit sorti aujourd'hui, avec un cochon de 10 000 roupies qu'il est besoin de payer, qu'il est pour payer, et il est pour les autres conditions aussi, rapportées une fois par semaine. Et c'est ça. Mais c'est l'entité principale même, aujourd'hui, qui fait indiqué à la cour qui. Oui, même. Ouais. C'est qui me délégué. Oui. Nous pas juste Mahen Solik. Bon, mon frère, grand soeur, qui dit, vous venez, il va prendre l'espace une semaine, vous l'avez remarqué. Monsieur Bévin a été arrêté des fois. Je ne dis pas, moi, comme camarade, nous avons assisté à l'enquête. Mais je me trouve ça un peu bizarre. Pas même une semaine, rien, une deuxième arrestation, mais nous faisons douter qu'il soit en arrestation là, arbitraire, et je pensais qu'il y avait un bad agenda derrière ça. Pas un mauvais agenda, un bad agenda qu'il peut faire parce qu'il n'est pas capable d'être arrêté une semaine des fois. Mais tout ça est un peu bizarre. Merci. Parce que nous sommes jeunes et nous jeunes. Ivan Bandou. Merci beaucoup. Je partage l'opinion de mon confrère et très heureux pour le camarade Ivan qui finit libéré aujourd'hui. Et nous remercions encore une fois le bureau du TPP qui, dans sa charge, s'est trouvé qui peine à même grande pour mettre dans l'affaire-là.
Et juste pour dire, nous pouvons trouver que moins de personnes qui cultivent la haine et la vengeance ne vont pas aller loin de ce pays-là. Merci beaucoup. Merci. Et nous remercions la presse. Nous donnons notre rendez-vous lundi ou mardi, camarades, à nous pour faire la liaison avec la presse, pour quand nous parlons avec l'ICC et Ben Lett, qui nous pourra vous dire, nous judibar en tournant public, parce qu'il dit qu'on ne peut pas connaître qui peut faire et qui peut faire, Merci la presse encore une fois pour ce rôle. Et demain, vous n'avez pas de problème, ça n'est là. Nous, là, vous ne pouvez pas répondre. Allez, bye. Ouais. Donc voilà, chers internautes, c'est la déclaration des avocats d'Ivan Bibi. Donc, nous rappelons autres qui l'activiste Ivan Bibi finit être libéré après qu'il vous ait fourni une caution de 10 000 roupies et une reconnaissance de 30 000 roupies. Donc, pas aucune objection pour la police pour la remise en liberté et d'Ivan Bibi. Donc, les représentés par M. Ramaval Aiden, M. Anouk Goudari, M. Mahen Solik et Yuvia Bandu. Et non, Sanjif Tilakdari aussi qui n'est pas présent, qui est là-dedans. Et Pravesh Tafi. Donc voilà, c'est le panel d'avocats de l'activiste Ivan Bibi qui retrouve la liberté conditionnelle après qu'il lui ait fourni une caution de 10 000 roupies et une reconnaissance de dette de 30 000 roupies. Nous en direct devant la cour de district de Kuyapip en ce moment. Donc, nous trouvons plusieurs man activistes, man camarades qui viennent apporter notre soutien à Ivan Bibi. Nous trouvons aussi Bruno Laurette qui est ici. Donc, Bruno, une petite déclaration aujourd'hui à propos. Non, je suis content que le camarade Ivan est sorti. Et aussi, il est important que tout le monde comprenne aussi les différents traitements qu'il y a. Comment nous trouver une proche du pouvoir qui est avec l'héroïne. Et Ivan, soit disant on trouve quelque chose pareil, mais c'est moi qui ai un grand genre, Kotli, dans tous les décas, on m'a dit que innocence toujours primée, parce qu'ils ne peuvent pas trouver coupable dans les deux cas, mais nous avons deux différents traitements. L'héroïne, ou sortir aux paroles, ou gagner un cochon, grand genre, ou fermer, faire objection. N, parce qu'il est un activiste. Deuxième, l'autre côté, c'est un membre du MSM. Moi, je viens de comprendre. Moi, je viens de faire un dévoile de bonnes affaires. Le 29 octobre 2022, donc pour lui, je te dis, il y a 40 kilos là-bas qui rentrent la rivière Noire. Après, il y a un certain policier qui est là-bas. 5 jours après, il y a même quantité qui m'ont dit dans mon box. Et là, j'ai un inspecteur qui vient dire où que la police même qui met ça dans mon box. Coïncidence, Ivan, la veille, il fait une déposition contre le Premier ministre, moins de 24 heures, il y a une petite chose contre lui. Donc, je pense que je suis assez intelligent pour tirer ma propre conclusion. Il y a des affaires qui, tout le monde bien comprend, qui pourraient passer. Pinocchio avec Katakata, j'ai envie de mettre tout les activistes dans la prison, envie de mettre Bruno Laurette dans la prison, Ivan Bibi, dans prison, Ingrid, dans prison, Alain Malherbe, dans prison, tout le monde qui est au terrain, est-ce qu'ils ont trouvé un membre de l'opposition, il a arrêté où? Je dis, moi, si il y a un membre de l'opposition, il a arrêté. Jusqu'à lire, c'est juste l'activiste qui est arrêté. Parce que c'est un activiste qui porte le changement du système. C'est un activiste qui n'a envie de changer le système. Ce système-là, il perdure, il est nourri par tout le parti politique, que ce soit de l'opposition, que ce soit du gouvernement. Donc, je suis dans l'intérêt que ce système-là change. Et comment on dit, vous analysez qui est le monde qui n'est arrêté aujourd'hui. C'est juste l'activiste qui n'est arrêté. Voici l'activiste, je suis dans sa conviction-là pour changer le système. Mais aujourd'hui, la question qui nous pose, nous, il est bien qu'on comprend une affaire. Pinoc, avec Katakata, il est simple, bizarre de l'activiste parce que le MSM n'a pas négocié une alliance avec le PMSD. Donc, je connais qui de l'autre côté, l'alliance post-travailliste était même pas pour passer dans l'électorat. Et je suis capable de gagner une victoire facile si ben activiste en don. Donc, Mauricien, il est bizarre qu'on comprend, je finis mes petits divans autres là. Je suis bizarre qu'on comprend faire cette analyse qui peut dérouler et qui peut dérouler et qui est capable de dérouler dans les prochains jours. Une affaire aussi, je vais faire attention, c'est qu'il n'arrive pas un activiste capable d'arriver aussi un journaliste. Merci beaucoup.
Merci. Donc c'était la déclaration de Bruno Lauret. Bruno Lauret qui aussi fait une victime de la drogue. Donc après qu'il fait une dénonciation, aujourd'hui donc il fait une déclaration.